Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au sein du Salon des maires pour une série de courtes prises de parole du ministère de la Culture. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter six dispositifs qui sont des dispositifs ministère de la Culture, alors parmi beaucoup, beaucoup d'autres évidemment, qui sont conçus, construits à destination des élus et des collectivités. Donc on va essayer de faire vite, de faire efficace. Après cette série de prises de parole qui va durer une demi-heure, vous pourrez retrouver tous les intervenants derrière vous sur le stand du ministère de la Culture. Donc si vous avez envie de prolonger des échanges ou d'avoir des informations complémentaires, surtout vous n'hésitez pas, il vous suffit de vous retourner, le stand est juste derrière vous. Donc on va commencer tout de suite avec la première prise de parole. Donc j'appelle tout de suite Élise Herman. Bonjour Élise, alors on n'a qu'un micro, hein. On fait à l'économie au ministère de la Culture. Élise, vous êtes chef du département des territoires au sein de la délégation générale à la transmission au territoire et à la démocratie culturelle. Et vous allez nous parler du premier dispositif qui s'appelle le Fonds d'innovation territoriale. Alors dites-nous de quoi on parle exactement. Merci Evelyne, bonjour à tous, enchantée de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui. Alors je vais vous parler d'un jeune fonds, le Fonds d'innovation territoriale, le FIT pour les intimes. Je dis jeune fonds parce qu'il a été créé en 2022, donc il s'apprête à fêter son deuxième anniversaire. Et c'est un fonds qui a vocation à soutenir des projets, comme son nom l'indique, innovants, expérimentaux sur les territoires avec un ancrage vraiment local et la volonté de faire participer, de faire co-construire les habitants à ces projets. Donc ce fonds, vous n'entendez pas? Alors, je peux essayer sans micro? Bon, oui, là c'est mieux. Voilà. Donc je résume, j'ai 5 minutes, donc je resynthétise. Fonds d'initiative territoriale qui est un jeune fonds créé en 2022, qui a été doté initialement de plus de 4 millions d'euros et qui a même été abondé à 5 millions d'euros l'année dernière. C'est un fonds qui marche de la manière suivante. Les directions régionales des affaires culturelles sont vraiment les antennes territoriales pour identifier des projets qui pourraient répondre à ce fonds. Les projets, chaque projet, peuvent être aidés jusqu'à 50 000 euros. Mais sur 2023, on était à une moyenne d'environ 23 000 euros par projet. Mais évidemment, ça dépend du projet, bien évidemment. Les critères d'éligibilité pour ce fonds en 2023 étaient les suivants. Le critère obligatoire numéro 1, c'est que chaque projet doit être coporté avec une ou plusieurs collectivités territoriales. Donc on avait une majorité de communes et de PCI impliquées, mais aussi des départements et des régions. Le deuxième critère, c'est le fait que le projet doit s'inscrire soit dans un territoire rural, soit dans un territoire prioritaire de la politique de la ville. Quartier politique de la ville. Alors, je vais vite, mais je serai sur le stand après, hein, donc je pourrai vous redire tout cela. Et puis, le troisième critère, c'est vraiment de la co-construction, de la collaboration ou de la participation, en tout cas, des habitants du territoire. Alors, au titre de 2023, on avait 88% des départements, 80%, mais ça fait 88% des départements qui ont été concernés par ce fonds. Donc on a une bonne couverture territoriale jusqu'en Outre-mer, où sur les 202 projets soutenus au titre de 2023, on en avait plus d'une dizaine en Outre-mer et une majorité de territoires ruraux. Alors, pour préparer l'intervention avec Emma Ladet, qui était par ici et qui s'occupe de ce fonds au sein du département des territoires, pour finir, parce que je pense qu'il me reste 3 minutes, on a essayé de s'interroger sur l'édition 2022-2023, qu'est-ce qui était vraiment innovant dans les projets qui ont été soutenus. Alors, il y avait plein d'innovations, mais je mets le focus sur 3. La première, c'est qu'on a un certain nombre de projets qui ont vraiment retenu une échelle territoriale innovante, intéressante. Je mentionne 2 projets qui me viennent là à l'esprit. Le Sentier des Lauzes en Ardèche, qui, dans la vallée de la Drobie, vraiment monte un territoire artistique et culturel à l'échelle d'une boucle d'une quinzaine de kilomètres. Et puis, les maisons du canal, le long du canal du Midi, qui, sur plusieurs années, pour le coup, investit avec une structure d'écriture, enfin de résidence d'écriture, des maisons éclusières tout le long du canal du Midi.
Donc là, premier type d'innovation, vraiment l'échelle territoriale qui est considérée. Deuxième type d'intervention, c'est les modes de création artistique et culturelle et de diffusion qui ont pu être soutenus. Je cite vraiment rapidement quelques exemples. La cabane à Rouen, qui est une caravane de quelques mètres carrés, on l'imagine, et qui est un atelier artistique qui se déploie sur plus de, je crois que c'est 18 mètres carrés, et qui permet ainsi d'être itinérant. Donc ils sont allés à Yvetot, Louviers, à Évreux aussi, je crois. Donc voilà, des modalités de création et de diffusion vraiment innovantes. J'ai aussi à l'esprit La Belle Nuit, qui est un concept. Alors c'est dans la communauté de communes des Trois Forêts, si je ne me trompe pas, dans l'est de la France, où ont été mises en place des performances, de manière simultanée sur le territoire. Plutôt que de concentrer des publics en un endroit, l'idée était vraiment d'essaimer et d'être ensemble en même temps, enfin pas ensemble, mais temporellement ensemble sur un projet et sur un spectacle. Et troisième type d'innovation, donc après les échelles territoriales particulières, le type de création et d'innovation, c'est vraiment les projets qui ont été soutenus dans le cadre du FIT, de soutien à des lieux qui ne sont pas typiquement de création artistique et culturelle. On a un certain nombre de tiers-lieux qui ont été soutenus, donc pas uniquement, hein, mais un grand nombre de tiers-lieux. Et je citerai l'exemple emblématique, je trouve, de l'EHPAD de Bracieux, dans le Loir-et-Cher, si je ne me trompe pas, qui est vraiment un EHPAD qui s'est ouvert à un grand nombre de structures et qui, au sein de cet établissement, a le projet d'une micro-crèche, d'un espace de coworking et d'une maison culturelle avec une vraie saison culturelle et un certain nombre d'expositions et d'animations culturelles en son sein, avec bien sûr une problématique transgénérationnelle et d'investissement auprès des résidents de l'EHPAD. Voilà, en quelques mots, vraiment je conclue en disant que ça permet, ce fonds d'innovation territoriale, d'impulser. Il n'a pas vocation, je le précise, je ne l'ai pas dit dans les critères, à se prolonger au-delà de 2 ans à l'heure actuelle, hein, puisque c'est vraiment une logique d'impulsion, de déclencheur. Donc c'est voilà, sur une échelle de temps un peu restreinte, mais dans l'idée d'impulser, d'aider à impulser des projets. Voilà, je crois qu'il est temps. Merci. Merci beaucoup, Élise. Vous pourrez, après la série de prises de parole, retrouver Élise sur le stand juste derrière vous si vous avez besoin d'informations complémentaires. On va continuer puisque le temps est compté et ça fait partie de l'exercice. J'appelle maintenant Isabelle Delamont, qui est chef du département de soutien à la création et à la diffusion au sein de la Direction générale de la création artistique, et qui va nous parler d'un sujet assez majeur, enfin en tout cas que je considère moi comme majeur, qui est l'exposition d'artistes vivants dans vos communes. L'idée, c'est d'écouter un peu ce qu'Isabelle a à nous dire sur le sujet. Là encore, on pourra prolonger derrière sur le stand. Les bonnes pratiques à mettre en œuvre, puisque bonnes pratiques il y a, n'est-ce pas Isabelle ? Exactement, merci. Bonjour à toutes et tous. Je ne vais pas vous parler d'un dispositif, mais d'un droit, en fait, du droit d'auteur plus spécifiquement, qui, on le sait, n'a pas toujours été bien appliqué jusque-là, notamment en faveur des artistes plasticiens. Aujourd'hui, on sait tous, par exemple, qu'on doit payer la SACEM pour que les musiciens puissent vivre de leur travail. Eh bien, pour les artistes plasticiens, c'est un peu une autre histoire. Je vais vous parler notamment, non pas de leur droit moral, qui est incessible et absolument, je dirais, incontestable, et que je pense tout le monde connaît, mais d'un droit un peu particulier, puisqu'il s'appelle le droit de présentation publique, et il est signifié comme ça dans le Code de la propriété intellectuelle depuis 1957, et il fait partie des droits d'exploitation qui consacre, en fait, qui détermine la rémunération pour la contrepartie de l'exploitation de l'œuvre d'un artiste. Et c'est vrai que quand on est élu, technicien, conseiller d'une commune, d'une région, ou même au sein du ministère de la Culture, je le dois dire, parlons de nous d'abord. On sait très bien qu'on accompagne beaucoup les dispositifs, les structures, mais qu'on accompagne finalement peu la question de l'économie des auteurs eux-mêmes et des artistes. Et se sont évidemment emparés depuis longtemps les artistes eux-mêmes cette
question de leur rémunération. C'est pour nous, le ministère de la Culture, au moment du rapport Racine en 2017-2018, que devient incontestable la question de la précarisation des artistes et de leur soutenabilité économique, et que mobilisés aussi par les sociétés de perception et de gestion des droits des artistes que sont, et je leur rends hommage à cet endroit, la DAGP notamment et la SAIF, le ministère de la Culture à la DGCA, nous avons entrepris, je dirais, un dialogue assez fort et assez soutenu pour se mobiliser et rémunérer le droit de présentation publique, dit aujourd'hui le droit d'exposition. Tout artiste a le droit de percevoir une rémunération, une contrepartie contre le fait qu'on exploite, qu'on montre ses œuvres. Et c'est vrai que la question de l'exposition, c'est la question de la présentation publique des œuvres, et il est important de savoir qu'il faut rémunérer les artistes pour cela. Pourquoi ça n'était pas appliqué? Parce que le barème, les barèmes, quantité de barèmes étaient extrêmement bien faits, mais compliqués. Donc on s'arrachait les cheveux en mètres carrés de peinture et en nombre de pieds de bronze. Donc ça bloquait beaucoup les démarches et ça contredisait l'idée d'accompagner les artistes. Ce qu'on a fait avec les sociétés de perception des droits, avec les lieux de diffusion, on a défini une sorte de minimum, de taquet du bas, comme nous disons chez nous, de plancher, de la rémunération en dessous desquelles il est absolument indécent de demander à un artiste de présenter son travail. Et on l'a défini de façon assez forfaitaire pour que ça puisse s'appliquer. Et on a fait des études d'impact, et ce qui a permis, je dirais, de définir un minimum de rémunération à hauteur de, et je vous donne les grilles que vous pouvez retrouver, hein, vraiment sur le site du ministère de la Culture, vous avez la recommandation de la ministre de la Culture en matière de droit de présentation publique, ce qui donne un minimum pour une exposition personnelle de 1000 euros pour l'artiste, et décliné de la manière suivante, de 1000 euros à raison de 10 artistes par expo collective, ce qui correspond en fait à 100 euros par artiste. Très tôt, les lieux de diffusion, les labels, dont nous conditionnons désormais la subvention publique à l'application de ce droit de présentation à la bonne rémunération des artistes. Très tôt, les labels se sont engagés. Les réseaux territoriaux que vous connaissez chez vous se sont engagés. En Nouvelle-Aquitaine, je voudrais d'ailleurs souligner que le réseau Astre a été l'un des premiers à en faire un moteur. Mais en Grand Est, il y a une charte qui conditionne aussi la subvention publique à cette rémunération. Donc très tôt, les labels et leurs réseaux s'en sont emparés. Le réseau de développement des centres d'art propose une grille très bien faite, notamment qui cible aussi des objectifs. Et assez vite, ils ont convenu que le minimum du minimum était trop minimum. Donc on est déjà passé à 120 euros par artiste aujourd'hui et à 1200 à 2000 euros par exposition monographique. Et je peux vous dire que ça a un effet extrêmement fort de levier vraiment sur l'économie des artistes, mais aussi sur le respect et sur la qualité du dialogue entre les partenaires. La question de la cession de droit, elle n'est jamais évidente. On rentre dans des idées de négociation. Le fait d'avoir défini un cadre, ça permet à tout le monde de se poser de manière, je dirais, égale autour de la table et d'entamer un dialogue. Voilà. Peut-être que j'ai fini, mais en tout cas, je reste vraiment à votre disposition. Il y a beaucoup de références, beaucoup d'acteurs sur les territoires s'en sont emparés. Et en tant que représentant des collectivités, moi, je voulais aussi vous saluer votre engagement parce qu'avec la DAGP qui observe et qui veille à cette rémunération, on voit que les collectivités se sont déjà fortement engagées dans ce droit, qu'elles ne méconnaissent pas, bien au contraire, et qu'elles commencent vraiment à appliquer, et votre contribution est extrêmement importante. Merci beaucoup Isabelle. Donc Isabelle reste derrière avec nous sur le stand si vous avez besoin d'en savoir un peu plus. On va devoir avancer puisque le temps passe. J'appelle maintenant Anthony Vienne, qui est premier adjoint au maire de Jolimès, une commune du département du Nord d'un peu moins de 1000 habitants. Et monsieur le maire, monsieur l'adjoint au maire, vous avez eu la chance de bénéficier d'un plan
qui est particulièrement cher à mon cœur, je dois dire, qui est le plan Fanfare et Harmonie. Alors, on n'attend pas forcément du ministère de la Culture qui s'intéresse aux fanfares, et pourtant, le ministère l'a fait. Racontez-nous. Un grand merci pour votre invitation et puis pour votre accueil. Donc, jolie maison. Et j'ai aussi la chance d'être vice-président de la communauté de communes du Pays de Mormal, qui est le plus beau pays du monde, puisqu'on a la chance d'avoir le forum antique de Bavay, les remparts du Quesnoy et l'abbaye de Maroilles, connue pour son fromage. Donc, j'ai la chance aussi d'être premier adjoint à Jolimet, qui est au cœur de ce pays de Mormal, qui me tient très à cœur, vous l'avez compris. Avec la chance aussi d'avoir dans notre village une harmonie, ça veut dire une société d'histoire, 130 ans d'existence, elle a passé les deux guerres, ça veut dire aussi que c'est une affaire de famille, dans toutes les familles du village on sait que l'harmonie a existé ou on y a participé, le grand-père jouait déjà, le père etc. C'est des sociétés qui existent dans toute la France, parfois très impliquées comme les harmonies qui sont dans les carnavals à Dunkerque ou à Bergue, ça y va fort. Les bagades, en Bretagne, mais chez nous, les petites harmonies de nos villages, c'est important parce qu'on les retrouve dans les manifestations officielles, le 8 mai, le 14 juillet, le 11 novembre, dans les concerts, je dirais, traditionnels du village. Le repas de la messe de Sainte-Cécile, etc. Et aujourd'hui, avec un tournant qui est à prendre, parce qu'on est aussi soumis à l'arrêté de la télévision, du fait que tout le monde regarde tout ça, et que pour moi, c'est profondément la question de la culture populaire qui est en jeu à travers nos harmonies, au même titre que les petits cirques, que les soirées contes. C'est toute cette tradition qu'on a de culture en ruralité, et c'est particulièrement important dans tout notre pays, dans toute la France. Et donc, il faut soutenir ces choses, à mon avis, qui sont essentielles, qui créent du lien social, qui nous permettent de bien vivre. Donc, une harmonie comme celle de Jolimet a pu s'inscrire dans le plan Fanfare. Ça lui a permis de développer un super concert, ciné-concert. Donc, ils ont filmé pendant un an la forêt de Mormal, donc une heure d'image. Et puis un concert qui a été écrit par un jeune créateur, Thibaut Brugnot, qui est un musicien, un professionnel, qui a écrit une œuvre autour de notre massif forestier. C'est Mormal, c'est aussi le massif forestier le plus important au nord de la France. Je m'excuse du peu. J'avais commencé avec le Forum antique. Et donc je reviens plus sérieusement à cette question donc, de cette culture populaire qui doit être de qualité quand on fait venir des conteurs, quand on fait venir un petit cirque, quand on fait venir une harmonie, comment une harmonie va se lancer dans un projet. Je pense que ça a été un moment extrêmement important, ce dispositif qui a été voulu par notre députée Anne-Laure Cattelot dans le mandat précédent, qui s'est battue pour que les députés soutiennent ce projet. Et puis ensuite, on a deux ministres qui l'ont vraiment voulu. Et donc, c'est du bonheur. Parce que c'était un moment où les pratiques amateurs musique se sont dit « Ah bah oui, même le ministère de la Culture, il est derrière nous et il nous soutient dans notre culture rurale, dans notre culture populaire, dans toute la qualité qui est, des choses qui sont à défendre. » Donc pour moi, c'est un grand bonheur que vous ayez monté ce projet. J'espère que ça va durer longtemps. En tant que vice-président, c'est arrivé en même temps. On a aussi, nous, au niveau de la communauté de communes, lancé un petit projet participatif pour que nos 12 harmonies, 13, puissent aller jouer dans les villages. Donc c'est venu un moment où ça a créé une super dynamique. Sur nos 13 harmonies, 3 ont bénéficié du plan Fanfare et Harmonie. Donc allez-y, mesdames, messieurs les élus. C'est pas vous qui portez directement les projets, c'est les harmonies. Mais dites-leur, allez, montez un projet qui soit un peu innovant, un peu qui sorte de l'ordinaire, allez chercher un artiste et puis foncez et demandez des sous au ministère de la Culture. C'est des enveloppes de l'ordre de 3 000 euros. Jolimet a eu 2 700 pour un village de 870 habitants. Quand on va chercher un peu d'action d'intérêt local du département, du FDVA, du Fonds Développement Vie Associative auprès de Jeunesse et Sport, on arrive à faire des enveloppes qui permettent de financer réellement une création musicale comme ça s'est fait. Voilà. Donc allez-y, foncez. Ça va, j'ai pas dépassé mon temps. Nickel, monsieur l'adjoint au maire. Vraiment, vous êtes
Vous êtes un orateur né, en plus de votre fonction d'élu. Merci beaucoup. Là encore, on pourra vous renseigner sur le plan fanfare et harmonie de l'autre côté de l'allée au stand du ministère de la Culture. On enchaîne sur nos sujets avec les bons termes pour parler aux administrés. Pour parler français, bien sûr, on accueille Paul Petit, qui est délégué général adjoint au sein de la délégation générale à la langue française et aux langues de France, accompagné du sénateur Michael Vallet. Michael Vallet, vous êtes sénateur de la Charente-Maritime en Nouvelle-Aquitaine. Paul, de quoi parle-t-on quand on parle de bons termes pour les administrés? Oui, on n'a qu'un micro. Merci. Il y a une question de terme, naturellement, et une partie du travail des autorités, du ministère de la Culture et de sa délégation générale à la langue française et aux langues de France, c'est de faire ce qu'on appelle équiper la langue, c'est-à-dire l'enrichir continuellement pour que la langue française reste une grande langue vivante et donc capable de dire constamment toutes les réalités du monde, les plus pointues, les plus techniques, les plus scientifiques, sans laisser se perdre des domaines qui ne pourraient s'exprimer ou être formulés qu'en anglais le plus souvent. Donc la commission d'enrichissement de la langue française, qui regroupe 300 à 400 bénévoles répartis en collèges dans tous les domaines ministériels notamment, produit des vocabulaires qui sont ensuite publiés au JO et qui peuvent être utilisés. Et donc nos collègues ont produit, et notamment avec cette perspective aujourd'hui, 100 termes à utiliser par les collectivités locales dans la plupart de leurs domaines. Donc ça va de l'aménagement du territoire à des choses très, très techniques. C'est pour que vous ayez un exemple, il sera disponible sur le stand du ministère et évidemment tout ça est en ligne. Alors ça, c'est un des outils de politique linguistique dont on use. L'autre élément sur lequel je voulais insister, c'est notre cadre légal. La Constitution, article 2, nous dit que la langue de la République est le français. Ceci se décline avec la loi Toubon de 1994 et on en célébrera les 30 ans l'année prochaine. Une loi qui n'est pas une loi de flicage pour empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent dans la langue qu'ils souhaitent, mais qui est une loi essentiellement sociale. C'est-à-dire le principe qui arrive très tôt dans la formulation de la loi Toubon, c'est l'intelligibilité. C'est-à-dire est-ce que nos messages, et donc ça parle essentiellement des acteurs publics, c'est pour ça qu'on est là, considérant que les collectivités entrent dans ce champ. La question, c'est est-ce que nous sommes compréhensibles, intelligibles par l'ensemble de nos concitoyens quand nous avons une expression publique institutionnelle. Et donc le sujet se pose à chaque instant de nos pratiques. Je vous propose de retrouver tous les enjeux dans cette publication du ministère qui est le rapport au Parlement, mais qui vaut pour tout le monde. Il est aussi sur le site internet et sur les tables du ministère. L'un des enjeux qu'on a identifié, c'est celui de la communication institutionnelle et particulièrement de la communication du marketing territorial et des collectivités en général. Omaylot, Start Me Up, what else? Let's Grow, Only Lion, j'en passe et des meilleurs, mais je laisserai le sénateur en faire son miel. Au prétexte d'une promotion internationale des territoires, on fait n'importe quoi avec la langue, parce que ces calembours ne sont pas de l'anglais et sont incompréhensibles pour un public international, petit 1. Et petit 2, il y a une responsabilité quand même pour les collectivités locales de s'inscrire dans cet effort collectif d'intelligibilité. À qui parlons-nous et de qui voulons-nous être compris? Et donc là, gros sujet sur lequel je vous invite à réfléchir. Je passe la parole au sénateur qui est l'un de nos plus... plus fervent supporteur. Bien, bonjour à toutes et à tous. Simplement pour prolonger le propos de Paul Petit, en deux minutes, ce que je voudrais essayer de faire passer comme message, c'est de déculpabiliser à la fois les élus locaux et ceux qui travaillent pour les collectivités sur ce sujet. Comme l'a dit Paul, ce n'est pas une loi ou un cadre légal qui sert à fliquer, tout simplement parce qu'il n'y a quasiment pas, sauf quelques exceptions, de sanctions. Mais en revanche, le fond de l'affaire, il y a eu des études qui ont été menées par le Crédoc sur le sujet, commandées d'ailleurs par le ministère de la Culture. Vous avez 70 à 80% de nos citoyens interrogés qui attachent de l'importance à la façon dont ils sont compris ou dont ils comprennent la communication des services publics. Au-delà de tout ça, je ne sais pas si ça sera partagé par les élus locaux ici, mais on est un certain nombre à penser qu'il y a une forme
d'agacement et un sentiment de rejet. Quand vous avez des grandes entreprises issues de monopoles publics, par exemple, ce qu'on a à peu près tous dans nos communes ou presque, où La Poste, je ne sais pas s'il y a des gens de La Poste, mais s'il y en a, tant mieux, a dans sa filiale banque maintenant Ma French Bank. C'est extrêmement agressif vis-à-vis de nos citoyens, dont une partie soit ne comprend pas le jeu de mots assez débile, vendu probablement très cher par une agence de communication elle-même assez débile, mais au-delà de ça, c'est le fait de se sentir ou de ne pas se sentir compris ou inclus dans la vie quotidienne. Et les collectivités, outre le fait que dans la production de la marketing territoriale, il y a déjà beaucoup de choses qui sont totalement cul par-dessus tête qui se font, ont aussi la possibilité en interne de promouvoir ces sujets-là. C'est-à-dire que les patrons de collectivités peuvent parfaitement demander à leurs services, pas de manière verticale ou avec du flicage, mais en essayant de convaincre les uns et les autres, d'utiliser par exemple les termes qui vous sont présentés ici, d'utiliser le registre France Terme. Il n'y a rien de plus simple que France Terme. Vous tapez dans votre barre de navigation France Terme, vous vous interrogez sur un terme, vous trouvez l'équivalent français, parce que quand il existe un équivalent français, on a l'obligation de l'utiliser. Et ça peut même être une façon de créer de la cohésion au sein de l'équipe territoriale et de rehausser le niveau. Et surtout de le faire savoir, et j'en termine, vis-à-vis des administrés, parce qu'en général, les administrés prennent très bien le fait de savoir que le maire, pour parler des maires, dont il pense qu'il doit s'occuper absolument de tout, s'occupe aussi du fait de savoir que sa collectivité est bien comprise de l'ensemble des administrés. Et j'en termine là. S'il y a des questions après, on pourra toujours poursuivre le sujet. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci pour votre soutien. C'est important. Et rendez-vous tout à l'heure sur le stand. On enchaîne, parce qu'on n'est pas en avance, avec Yann Greenenberger, qui est là. Bonjour, Yann. Vous êtes directeur du Centre international d'art verrier de Mezenthal, qui est une petite commune du département de Moselle, d'un peu plus de 600 habitants, si je suis bien renseignée. Alors, avant de nous parler d'un sujet qui est un sujet qui tient très à cœur notre ministre de la Culture, Imam Abdul Malak, les métiers d'art, pouvez-vous nous dire en quelques mots ce qu'est le Centre international d'art verrier ? Merci. Alors, le Centre international d'art verrier de Mezenthal, c'est une structure publique portée par une communauté de communes qui a pour ambition, ici, dans ces dernières vertèbres du massif des Vosges du Nord, en Moselle-Est, qui a comme ambition à la fois de sauvegarder le savoir-faire traditionnel verrier, de le remettre en culture en invitant des créateurs contemporains, des designers, des artistes, des architectes à venir revisiter ce savoir-faire et enfin partager avec le plus grand nombre la magie de ce métier par de la mise en tourisme, des démonstrations commentées et l'édition d'objets qui sont fabriqués, produits et vendus sur place. Merci beaucoup. Alors on rentre au plus vite dans le vif du sujet. La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, mais aussi Madame Olivier Grégoire, qui est la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, et Madame Dominique Faure, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, collaborent depuis déjà plusieurs mois à l'élaboration d'une nouvelle stratégie en faveur des métiers d'art qui est en pleine construction, qui avance en faisant travailler à peu près tous les secteurs, publics comme privés, ensemble. Est-ce que vous pouvez nous dire, en ce qui vous concerne concrètement, comment cette stratégie se met en œuvre dans votre commune notamment ? Alors, j'ai été associé à cette stratégie puisque, comme vous le disiez, c'est une stratégie nationale qui est en construction. Il y a des choses qui avancent, il y a des experts qui sont nommés, il y a des consultations avec tous les structures partenaires publiques et privées pour monter un plan national en faveur des métiers d'art. Alors, les métiers d'art, je ne sais pas si vous connaissez, le ministère de la Culture a sacralisé les métiers d'art via une loi en 2014, consolidée en 2016, qui décrète et qui précise et qui apporte des précisions sur 281 métiers qui sont considérés comme des métiers dits d'art. Alors c'est vrai que face à l'industrialisation des productions humaines, les métiers d'art en France, c'est quelque chose de très important, qui font partie de la culture signifiante de l'art de vivre à la française, reconnu à l'échelle internationale. Et c'est vrai que cultiver la passion des métiers d'art et
de pouvoir les développer sur les territoires, c'est quelque chose de très important. Les métiers d'art, ils se sont implantés historiquement sur des lieux où il y avait les ressources naturelles immédiates qu'on venait puiser dans la nature, de la laine, du bois, de l'osier, du grès, etc. Et du kaolin pour faire de la porcelaine, mais aussi de la proximité immédiate d'énergie renouvelable, éolien, la force hydraulique ou le bois combustible. Et c'est vrai que ces métiers d'art ici en France sont implantés partout, dans les villages, les vallées, les forêts, les villes, les quartiers. Et l'ambition des métiers de ce plan national, c'est de consolider, éviter que des entreprises ne puissent ne pas être léguées à des jeunes personnes qui reprennent l'affaire. Et puis ce qui est important aussi, c'est que c'est les ressources humaines qui aujourd'hui maintient les savoir-faire dans les territoires. Même si on n'utilise pas forcément la ressource du sol, c'est ces générations d'hommes et de femmes qui se sont transmis ces savoir-faire, qui habitent sur ces territoires et qui véritablement sont les porteurs de ce secteur d'activité. Voilà un peu. Donc moi, j'invite effectivement toutes les communes, etc., à porter ces projets. On veut peut-être montrer 2-3 images. Je vous raconte juste en 2 minutes. Le site Verheyen-Meisenthal a fonctionné de 1704 à 1969, a fermé ses portes. Les ferrailleurs ont bien fait leur travail, ont désossé l'usine. C'était... On aurait pu dire que l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur l'abnégation d'élus, d'artistes, de verriers, d'habitants qui sont mobilisés, qui ont construit un musée, une salle de spectacle qui est aujourd'hui conventionnée par le ministère de la Culture, un atelier dans lequel on accueille des artistes et des designers du monde entier. Aujourd'hui, c'est 50 emplois, c'est 80 000 visiteurs avec nos collègues du musée de Saint-Louis et l'ALIC. À côté de chez nous, c'est 150 000 visiteurs sur un micro-territoire avec des effets économiques directs puisqu'on finance 80% de notre activité grâce à ces nombreux visiteurs, mais aussi toute l'économie induite pour un territoire. Donc voilà, je pense que dans les politiques locales et vos politiques, il est important d'avoir un œil bienfaiteur et bienveillant sur les métiers d'art. Voilà. Merci beaucoup. Vous restez un peu avec nous, le cas échéant. On va continuer et terminer, on est un peu en retard, avec Edwige Millery, qui on revient au ministère de la Culture, puisqu'elle est chargée d'études au pôle des dynamiques territoriales au sein du département des études de la prospective et des statistiques au ministère de la Culture. Et elle va nous dire quelques mots sur un outil assez formidable pour vous, mais pour nous tous, qui s'appelle l'Atlas de la Culture. Merci Evelyne. Donc j'ai bien noté qu'on était un peu en retard, je vais essayer d'être rapide. C'est bon pour toi ? Donc je vais vous présenter l'Atlas de la Culture. Qu'est-ce que c'est ? C'est un site internet qui est destiné à appréhender l'offre et les activités culturelles sur un territoire à partir d'un outil cartographique, d'un module de data visualisation et de fiches portraits de chacune des régions françaises que nous avons rédigées à partir de l'ensemble des indicateurs que nous mobilisons. Donc c'est un outil de connaissance au service de diagnostics territoriaux, c'est en cela que ça peut vous intéresser, et qui mobilise des indicateurs qui sont liés aux dépenses culturelles des collectivités territoriales, aux entreprises, aux emplois culturels et bien sûr à l'offre culturelle. Et l'intérêt de ce site, c'est de pouvoir situer ces indicateurs que nous consolidons et que nous travaillons au sein de notre département avec des données de contexte plus générales qui sont d'ordre géographique, démographique, économique et qui permettent de caractériser un territoire. C'est un mot pour dire que c'est un défi lauréat d'un programme interministériel porté par la DINUM, donc le programme entrepreneur d'intérêt général, destiné à favoriser la transformation numérique de l'État et qui se consolide autour de valeurs telles que l'innovation ouverte. Pourquoi je le souligne ? Parce que toute la technologie qui est derrière repose sur des logiciels libres et ouverts et toutes les données sont ouvertes. Le sens de l'intérêt général, la démarche apprenante, etc. Et ensuite, nous, lorsque nous avons conçu ce site au sein du département, nous avons respecté 3 principes importants en matière de données, de traitement de la donnée. D'une part, leur robustesse, donc toutes les bases sont consolidées. Leur comparabilité, l'ensemble des données que vous trouvez sur un territoire doit pouvoir être
pouvoir être comparées avec un autre territoire. Et leur ouverture, je vous l'ai dit, toutes les données sont disponibles sur dataculture.gouv.fr, qui est une sorte d'énorme lac de données mis à disposition du citoyen pour son information. Donc il repose sur 3 outils complémentaires, un outil de cartographie, un outil de data visualisation des fiches portraits. Donc ça, c'est le cœur du réacteur, l'outil cartographique. Voilà. Donc avec l'offre culturelle, les sites, les lieux, les équipements, on a derrière cela un fichier de plus de 73 500 lignes, donc qui recense l'ensemble des sites, équipements et lieux culturels. Et que l'on croise avec, par exemple, un zonage particulier. Donc là, c'est les aires d'attraction des villes et qui permet ensuite de situer les activités par rapport à différents zonages. Il existe plein de zonages qui sont travaillés par l'INSEE ou par l'Agence nationale des collectivités territoriales qui permettent d'approcher plus précisément, selon certains indicateurs, les territoires. On peut passer. Donc là, c'est un exemple. Alors, j'ai choisi l'outre-mer parce que souvent, on ne voit pas quand on arrive sur la carte l'outre-mer. Il faut aller la chercher ici. Donc, vous cherchez le territoire qui vous intéresse. Et ici, vous voyez le programme Petite Ville de Demain, autre programme porté par la ANCT, et mis en relation avec les quartiers prioritaires de la ville à La Réunion. On peut passer. Alors, un petit focus sur deux dispositifs qui sont portés et qui ont une actualité. Donc, le premier, c'est le label 100% éducation artistique et culturelle. Donc là, vous voyez en bleu, alors évidemment, elles sont plus petites, les communes qui sont labellisées 100% éducation culturelle. En orange, les groupements de communes. Et en violet, les départements qui ont été labellisés 100% éducation artistique et culturelle. Si vous avez plus de questions sur ce label, je vous invite à contacter Gaëlle Bébin qui est à la sortie. Autre focus, en matière de politique culturelle territoriale, toutes les collectivités labellisées terres de jeu. Donc là encore, je vous ai mis les 3, mais vous pouvez choisir, enlever ou ajouter un calque selon le niveau de granularité qui vous intéresse. D'une part, les régions, les départements et les communes. Alors vous voyez qu'il y en a un certain nombre de communes, que ça, c'est un dispositif qui a considérablement essaimé en vue de 2024. Je ne sais plus, on va devoir s'arrêter, mais je vous ai dit l'essentiel. Merci Evelyne. Merci beaucoup Edwige. Là encore, vous n'avez qu'à traverser l'allée pour retrouver Edwige Millery. Elle peut tout à fait vous donner beaucoup d'indications complémentaires pour utiliser et farfouiller dans cet outil formidable qu'est l'Atlas de la culture. Merci beaucoup pour votre écoute et votre attention. N'hésitez pas à nous retrouver toutes et tous sur le stand du ministère de la Culture qui est juste derrière cette bulle. Et très belle continuation au Salon des maires. Merci.